Janine, Dans can ce you cas-là, please la explain vidéo, Martien, s'il te plaît. this slide? This is the slide of sorry. Je vais partager une vidéo. On avait demandé de parler d'un territoire, mais nous, on a voulu parler de mots d'hommes et de femmes sur l'ébicidie à travers les territoires d'Afrique. Donc, on va vous présenter une vidéo avec les meilleurs landscapes, j'imagine, de l'Afrique, avec les mots que les hommes et les femmes ont dit sur l'ébicidie pendant notre parcours expérimental. Donc, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi ça me fait comme ça. Voilà, je pense que cette fois c'est parti.
Okay. So that was an acknowledgement in, sorry, can I just say a little bit in English there? And an acknowledgement, yes. Instead of an acknowledgement of land, they did a video with words from people who have experienced the ACCA program. And from those quotes, it was just people talking about the whole thing being more than just a training. It was an actual experience, a life-changing experience, helping them to see positively, helping them to realize the assets that they have available, which they can mobilize for themselves, seeing that community development is more than just something being done for you or to you, but it's something that you can get engaged in and take ownership of. Lots of beautiful quotes about people experiencing things and feeling completely different afterwards. Thank you. Thank you, Janine. Merci beaucoup pour le partage et le résumé. Et nous allons commencer la session. Et pour le faire bien, je vais vous présenter notre speaker de la journée qui s'appelle Martienne. Comme on pourrait l'imaginer, non, elle ne vient pas d'une autre planète. C'est bien une humaine. Ce n'est pas une martienne. C'est bien une humaine qui a rejoint Well Grounded en 2019, notamment à travers ce programme ACCA. Donc, c'est la personne la mieux placée pour vous en parler aujourd'hui. Elle est entrée de plein pied dans le développement organisationnel avec l'approche ACCA, bien qu'ayant un background d'ingénieur, comment on appelle, paysagiste, voilà. Martienne est un ingénieur paysagiste à la base et environnementaliste aussi. Donc, elle a découvert l'ACCA, l'approche ABCD en 2019, by doing, c'est-à-dire en étant pleinement dans l'action. Et aujourd'hui, elle va nous parler de ce parcours-là que nous avons vécu avec Well Grounded dans ses différentes formes et selon les différentes perceptions qu'il y a eu dans ce parcours, c'est-à-dire les perceptions des facilitateurs, perception de la participation du programme en ligne et aussi la perception des participants du programme terrain. Donc, je vais passer la parole à Martienne, mais avant, je propose à chacun de se renommer en précisant son nom, son prénom, si possible. Je sais qu'on a des noms parfois très kilométriques. Donc, le nom par lequel vous souhaitez qu'on vous appelle, ou le prénom, la localité dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, et votre langue d'expression, le cas échéant, si nécessaire. Ça va permettre aussi pour nous de savoir s'il y a besoin de traduction, mais normalement, les dispositions sont prises pour que la traduction soit faite. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat en cas de besoin et nous allons gérer votre besoin. Voilà, c'est dit et je passe la parole à Martienne pour la suite. Bonne session. Merci beaucoup, Audrey. Et Audrey, c'est Martienne. Une membre de l'équipe de Well Grounded qui m'inspire beaucoup à bien des égards. Et je l'apprécie beaucoup. Je l'appelle affectueusement My Blessing parce que chaque fois que je vais auprès d'elle, effectivement, je me sens aimée, je me sens encouragée, je me sens comprise. Donc, merci. Je vais laisser un peu à Janine le temps de parler un peu si on a une audience anglophone avant qu'on puisse continuer. Merci. Audrey just introduced Martienne and explained her background a little bit, that she actually is an engineer, but she came across the ABCD program and was doing some work in communities and has now made this very much a part of her life. And then she's asking that people can just introduce themselves, give your name, your first name, where are you based, and just a very short explanation of where you are at the moment and the kind of work that you are involved in. Merci beaucoup, Janine. Je pense qu'on a pris du retard sur notre session, donc on a tous des bonnes pratiques
de visioconférence, donc nos téléphones, nos micros et nos vidéos éteints si notre connexion est lente ou pour éviter du bruit. Audrey va assurer le support technique et nous voulons vraiment remercier, je voudrais en profiter vraiment pour remercier la team de l'ABCD, de Home Conference ABCD, parce que pour nous, c'est vraiment un réel plaisir de prendre part à cette initiative. Et nous pensons que peut-être qu'on n'aura pas de grandes théories à développer ou à partager avec vous, mais ce qu'on a vécu, nous voulons aussi vous apporter cela comme un cadeau. Donc, je voudrais vraiment célébrer ce moment et remercier cette équipe-là pour cette opportunité. Donc, je partage juste cette slide pour rappeler qu'il y a un e-book. Nous aussi, nous sommes en train de travailler à quelques histoires que nous allons poster là et nous vous enverrons le lien. Alors, je m'arrête un moment pour que Janine fasse un peu le point. Okay, so she was just thanking everybody for being here and doing the usual tech talk that if you could keep your microphone on mute. The session is being recorded so people can also hear the session afterwards. I think that was basically it. D'accord. Donc, notre session d'aujourd'hui va porter sur les principes clés pour les accompagnements pertinents. Dans notre travail en nous en tant que well-grounded, nous nous intéressons aux organisations de la société civile. Mais les organisations de la société civile sont très proches des communautés. Malgré tout l'enthousiasme qu'on a, malgré toutes les capacités qu'on a, il nous est impossible d'aller au sein des communautés pour pouvoir travailler directement avec elles. Et on s'est rendu compte qu'entre les communautés et nous qui avons, je dirais, cet enthousiasme et ces capacités, il y a un chaînon d'acteurs qu'on appelle les organisations de la société civile qui nécessitait qu'on se tourne vers elles pour pouvoir améliorer leurs capacités. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait notre cible principale. C'est pour ça que notre démarche, que nous, on a baptisée ACAR, mais la démarche globale de l'ABCD chez nous se fait de well-grounded vers l'organisation de la société civile et de l'organisation de la société civile vers les communautés. C'est pour ça qu'on a essayé de se différencier. C'est l'une des raisons de cette déclinaison. On a dit ACA by well-grounded parce que dans son principe, mais aussi dans sa manière de l'essayer, il y a quand même des différences parce que, comme Audrey l'a si bien dit, nous sommes peut-être dans notre activité actuelle, nous sommes des praticiens de développement organisationnel et cela influence beaucoup tout ce que nous faisons. Donc, pendant que je vais laisser le soin à Janine encore de dire quelques petits mots sur ce que je viens de dire, je voudrais vous demander, vous qui êtes là, combien de personnes, quels sont ceux qui connaissent Well-Grounded? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Well-Grounded? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous collaborez avec Well-Grounded? Pendant que Janine sera en train de le dire, Audrey me dira, écrivez juste sur le chat, vous écrivez un si vous connaissez Well-Grounded et deux si vous ne connaissez pas Well-Grounded, si vous découvrez Well-Grounded. Donc, je laisse à Janine le soin de partager. OK. That was quite a lot that I have to go over, but I will just give a very short summary. Marcienne was just saying that they developed the ABCD, they used the ABCD principles and the ABCD approach to help them to develop ACCA, which is the asset and community-centered approach in their work with Well-Grounded, because they were finding that a lot of civil society organizations were struggling with a very needs-based approach and struggling to be able to get themselves organized. And so they have developed this approach and are using it with the organizations in the civil society programs that they are working with in Cameroon. And then she just asked if anybody could give an indication of whether they've heard about Well-Grounded before, have they done any work with Well-Grounded, or is this the first time that they're coming across this organization? Yeah. Merci beaucoup. Pendant qu'ils écrivent un pour je connais Well-Grounded et deux je découvre,
Audrey va partager deux liens. Le premier, c'est le Padlet, c'est un Padlet. Si vous avez écrit un, c'est-à-dire que vous connaissez Well Grounded, on aimerait avoir un gift encouragement. Donc, vous allez dans le Padlet, vous pouvez le faire maintenant ou après, et vous mettez un mot d'encouragement pour Well Grounded, dépendamment du feeling que vous avez avec Well Grounded. Et si vous ne connaissez pas, donnez-nous un peu les raisons, en un mot, les raisons qui vous ont poussé à venir à notre session. I stop there, Janice. So, if you put a number one, meaning that you know about Well Grounded, could you maybe also just add one word, which is like a word of encouragement or a word of endorsement for Well Grounded in your chat? If you wrote a number two, if you could just say perhaps why it is that you are interested in being part of the session and learning more about who Well Grounded is. Okay. Audrey, tu peux mettre partager le lien du Padlet et puis le lien du Harvesting document. Maintenant, nous allons commencer à parler de notre fameux voyage. Hein. Et c'est pour ça qu'on a présenté ça sous la forme d'un journey book. Donc, Marcienne is going to tell you now a story about their journey, who they are and where, how they've come to be where they are today. And she's done it as a, almost like a diary, a journal. Qui sommes-nous? Qui est Well Grounded? Parce que je sais qu'il y en a qui ont répondu, non? Donc, on ne va pas commencer la session sans parler de qui est Well Grounded. Janine, là, on va aller. Who is Well Grounded? This is where she's going to start the story. Donc, moi, j'ai rejoint Well Grounded, comme Audrey vous a dit, à partir de 2017 pour un stage de facilitation en développement organisationnel. She started getting involved in 2018. Et à Well Grounded, nous pensons que si on veut atteindre des impacts réels et durables sur la gestion des ressources naturelles et les droits des communautés autochtones et locales, cela n'est possible que si les membres de ces communautés, des pays concernés, parce que nous travaillons au niveau de la sous-région Afrique centrale, dispose des informations, des compétences, des ressources nécessaires pour s'attaquer aux préoccupations qui sont les leurs ou qui se déroulent dans leur environnement, dans leur milieu de vie, et se mettre en capacité finalement de faire une reddition des comptes auprès de leur propre gouvernement, auprès des décideurs, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, et auprès de tous ceux qui interviennent dans les landscapes, les riches et merveilleux landscapes que nous avons dans la sous-région Afrique centrale. You might have to help me with this first little bit. you were working with... I can go ahead in English because it was a little bit... heavy. Yes. I was saying that as an organizational identity, when I joined with Well Grounded, what I heard about and what I know is that we claim that for reaching real impacts and sustainable natural resources management and improving community rights, that is not just a matter of others. That includes, invites those communities to find information, to have competency, to have necessary resources, whatever those resources could be, in order to jump in and to be part of that reflection around all that matters in the around them, surrounding them, and to ask for accountability to their governments, to all those have the decision, and to all those intervene in the area of living. So that is why we, as Well Grounded, our identity, organizational identity, is supporting those, that group that is between us, I can say the external, and those which are neighboring the landscape. So the civil society organization. So we empower them so that they could
drive their own direction as organization, and they help those communities to drive their own, to take part, to have ownership on the direction they need to see for their own, and also for the landscape on the national resources that's surrounding them. So that is the way, by doing like that, we can reach a positive change in community rights improvement, and also sustainable managing of natural resources. Yeah. Ça c'est notre identité. Alors, parlons du deuxième point, qui est les valeurs de Well-Grounded, values. Personnellement, je suis très attachée aux valeurs de Well-Grounded parce que ces valeurs créent l'âme de notre organisation. Et en soi, j'ai pris le temps de m'attarder un peu. Elles véhiculent la philosophie du développement qu'on a envie de voir émerger. I can stop first of all, Janine. Marcienne is very passionate about maintaining the values of the organization and in setting up the values from the beginning, because it's something that is going to guide the work of the organization throughout. Donc, en regardant de très près les étudiants et avec le parcours ACA et BCD que je viens de faire, je me suis rendu compte qu'il y a une forte connexion entre nos valeurs et certains principes de l'ACA. Par exemple, nous avons comme valeur à Well-Grounded l'inclusion ou l'inclusivité. Chaque personne compte. Et quand une personne est concernée par la décision, sa voix compte, son avis compte. So she noticed that there's a very close connection between the values of ACA, the program, and the ABCD values. The first and the most important one being the value of inclusion, inclusivity, making sure that people are feel part of the whatever is going to be happening in the organization. La deuxième valeur forte de Well-Grounded, c'est la responsabilité. Et là, derrière la responsabilité ici, c'est le caractère autonome, la conscience de l'autonomie dans l'action. Chez nous, chaque consultant, chaque partenaire, chaque praticien de développement organisationnel est l'homme ou la femme de la situation. Ce n'est pas l'autre. Ça commence d'abord par nous avant d'être impulsé vers les autres. The second value is responsibility, and it is also a key value because everybody that is involved in the program from the beginning must take that responsibility. It starts with me. It's not someone else's responsibility. Each one of us has to take responsibility for being part of the programs. La troisième valeur, c'est l'apprentissage. En réalité, Well-Grounded, c'est une grosse organisation qui apprend. Nous apprenons chaque jour. Nous expérimentons, on ne s'arrête pas, on expérimente, on est ouvert, on ne parle pas très bien l'anglais, mais on est là à la HON Conference 2020-2022 parce qu'on veut apprendre, parce qu'en partageant, on apprend aussi. On est humble pour reconnaître nos erreurs, c'est aussi l'apprentissage. On est humble pour lâcher prise et on sait célébrer nos réussites. Hein. Et on pense que ce sont des éléments essentiels pour pouvoir driver le changement. So the third value, how do we say it in English? Innovation. Learning. Yes, innovation or learning. Being willing to learn and to take risks sometimes and to stretch yourself a little bit. Like for instance, coming and being part of this and not feeling that they can cope in English, but doing it anyway. Donc, l'autre valeur pour nous, ce sont les relations, le self-care and le collective care. C'est-à-dire que les relations sont au cœur de notre action. S'il n'y a pas de link, en réalité, l'action est entrecoupée, elle n'aboutit pas. Donc, il faut tout faire pour pouvoir ne pas laisser, un fil isolé. Il ne faut pas qu'on arrive à un moment où on n'arrive plus à savoir comment on connecte quelque chose.
Et ces relations, puisqu'on parle bien de relations, des relations humaines, des relations de collaboration organisationnelle, pour nous, elles sont basées sur la confiance. Et là, c'est d'abord une confiance au cœur et la confiance dans en termes de transparence mutuelle. Mais aussi, en termes de relations, c'est aussi la relation avec soi-même. Comment est-ce qu'on est en nous-mêmes? Est-ce qu'on est bien? Parce que quand on vit le bien-être, on est en capacité d'apporter du bien-être, d'amener les autres vers le bien-être. Là, c'est vraiment la partie self-care et la partie collective care. So the next value is about the heart, the connection, relationships, being connected to people, as well as being connected to yourself. So if you need to make sure that you are in good connection with yourself, in your own heart, if you're going to be working and connecting with other people as well. Et la dernière qui est vraiment, peut-être pas une valeur, mais qui est un peu comme le socle sur lequel reposent toutes les autres valeurs, c'est l'engagement. J'ai jamais eu l'impression de peser le poids du mot engagement que lorsque je suis entrée à Well Grounded. Donc vraiment, ça passe par la passion, ça passe par l'autonomie, ça passe vraiment par la flexibilité et le souci d'amener les choses jusqu'au bout. Notre équipe de travail n'est pas une équipe où on a des bureaux, peut-être dans les pays, on a deux ou trois personnes qui sont plus ou moins ensemble, mais qui se voient peut-être pas tous les jours. Comment dans cette dispersion virtuelle, on arrive à faire un? On arrive à mener nos actions et avoir, comme je peux dire, un brand delivery by Well Grounded. So the final value, which is almost like an umbrella value, one which kind of encompasses everything and is basically the kind of base for all the other values, is the value of engagement, participation, being connected, being part of one whole thing, even if you are in different offices or you're in different places or you are working online, virtually, the feeling of being participating together in something as a unified, well-grounded organization. Donc, on va évoluer pour parler de notre région d'intervention. J'ai déjà beaucoup parlé des partenaires. Donc, nous collaborons avec tout le monde, mais vraiment nos partenaires dans notre niche d'intervention, ce sont les organisations de la société civile. Ils sont en premier, mais ils sont en fait un peu le vecteur de notre action auprès de là où on veut voir le changement final, c'est-à-dire dans l'environnement, dans l'écosystème des communautés. Donc, nous intervenons dans le bassin du Congo en Afrique centrale. Depuis cette année, nous avons étendu notre spectre de pays à trois, donc le Cameroun, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Mais toutefois, on a des interventions dans d'autres pays comme le Gabon. Donc, je laisse Janine partager ça aussi. So she's talking about the different regions and the partners that they work with, and they are focusing on three main areas, which is Cameroon, the DRC, and they're starting to work in the Gabon area as well. Donc, quels sont les services que nous offrons? En termes de services et de programmes, donc nous soutenons les organisations de la société civile, leur développement en tant qu'organisation. Ceci est d'autant plus important pour nous qu'on a réduit les organisations de la société civile du bassin du Congo à des exécutants. Ils exécutent les projets. C'est bien l'aide internationale, mais vraiment ce sont des exécutants. Ils n'ont plus une direction, ils n'ont plus une vocation. Peut-être en termes de plaidoyer, d'advocacy, peut-être en termes de dire on est un peu le contrepoids pour pouvoir veiller à ce que les tendances ne dérivent pas, mais quand on peut renverser la vapeur, on renverse la vapeur. Donc nous, on s'est aussi dit qu'il n'y a pas que les projets, mais pour qu'une organisation soit forte, qu'elle soit soutenable, qu'elle soit durable, on a envie, il faut la bâtir, il faut l'amener à se bâtir. Et nous, notre rôle, c'est de venir avec le questionnement et la facilitation qu'il faut pour que les organisations de la société civile d'Afrique centrale puissent se bâtir, se construire.
Donc ça, c'est le premier service. So the first one is to do capacity building in organizations, because often organizations just carry out services without actually developing themselves and being strong in themselves to be able to cope. And so a lot of the work is to do with coming alongside organizations, helping them to build up their own capacity so that they can be better able to provide services especially in the Congo Basin. Le deuxième service que nous offrons, c'est le service de leadership. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que pour laisser de l'empreinte, il faut avoir un leadership. Et là, nous nous sommes intéressés aux leaders des organisations, spécifiquement aux femmes et puis aux communautés, mais plus spécifiquement les communautés autochtones. Ce qui fait qu'en ce moment, au sein de World Grandit, nous avons un programme de leadership autochtone. Nous avons un programme de leadership féminin et en partenariat avec une organisation sœur. Ça, c'est ce qu'on aime beaucoup faire à World Grandit, se mettre en partenariat avec des organisations sœurs Maliasili. Nous sommes en train de travailler au leadership de la gouvernance forestière aussi. The other program is a leadership program. To help organizations to be able to be strong in their own leadership. And they have a leadership program for women. They have a leadership program for organizations to help build up the capacity of leaders in their partner organizations. Une voie sur laquelle nous sommes en train d'explorer, c'est vraiment le volet plaidoyer advocacy. En fait, aussi pour permettre à ceux avec qui nous travaillons vraiment de découvrir des espaces d'expression où ils peuvent, par exemple, plaidoyer pour des modèles de financement durable, pour des collaborations saines entre les partenaires. Et nous avons on n'a pas beaucoup travaillé pour ça, mais un des domaines dans lequel on a travaillé, c'est celui, en fait, de transmettre le pouvoir. Quand on dit ça en français, c'est un peu léger, mais c'est transmettre le pouvoir de l'OD, parce que ce pouvoir est un peu au nord. Et depuis 2016 ou 2017, World Grandit est à sa deuxième cohorte de facilitateurs de changement. Donc, on est en train de s'aimer un ensemble de personnes qui vont aussi, de par la culture qu'ils vont recevoir de World Grandit, commencer à être des consultants différents, des praticiens différents. Et peut-être que ça va être le début d'un momentum vers un changement plus profond. Si on est tout petit, on ne peut pas faire grand-chose. L'influence n'est pas marquée. Mais plus on devient plus grand, on commence par faire tache d'huile, on fait effet boule de neige. Donc, vraiment, c'est dans ce domaine d'advocacy, pour une porte d'entrée de l'advocacy, c'est vraiment aussi ce programme-là. Les autres ne sont pas encore totalement développés, mais celui-là, il prend cours en ce moment, il y a la deuxième cohorte. Audrey, moi-même et beaucoup de personnes à World Grandit, nous avons fait partie de la première cohorte. So the other area that they've just started working on, it hasn't really done a lot yet, but it's looking at the whole idea of advocacy and helping to bring people from Africa into the programs and into leadership positions so that they can enable the organization to grow from home, as it were. Maintenant, nous allons, je vois de la discussion, Audrey, je ne sais pas, mais peut-être que je finis ces slides et puis on va faire une synthèse de la discussion. Ça me signale qu'il y a des choses qui passent, mais comme je suis en mode partage, je ne sais pas tout voir. J'aimerais un peu vite partir, Janine, sur cette partie. Peut-être que tu vas peut-être taper sur le chat, si c'est possible comme ça. Parce que je tiens aussi compte qu'il y a peut-être une session qui vient après nous. Donc, tu peux juste faire des sous-maris à chaque fois. Donc, voici un peu notre histoire. Quand est-ce que cela a commencé? Donc, notre histoire, qui n'était pas au départ une histoire à cas, commence entre 2015 et 2017. Peut-être bien avant, je peux dire, parce que ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Il y a eu des pionniers et des pionnières. Et j'aimerais vraiment prendre ce moment pour dire merci à ces personnes qui ont pris le risque d'ouvrir la voie. Je pense notamment à Mireille, notre ex-codirectrice. Je pense à Émilie, je pense à Doudou, je pense à Stéphanie et à tous ceux qui ont travaillé en ce moment-là. Mais je pense aussi aux organisations comme AUICN
qui nous ont permis d'organiser, je crois, en 2015, deux ateliers de réflexion collective qui étaient basés sur le constat que les projets qui sont réalisés dans le bassin du Congo sont des projets non appropriés, des projets sur lesquels, qui restent des projets, par exemple, de Well-Grounded, des projets de AICN, mais qui ne sont jamais les projets des communautés et qui ne parlent même pas aux communautés une fois qu'ils sont partis, que les personnes qui ont réalisé ces projets sont parties. D'autre part encore, il y avait une crise entre les organisations de la société civile qui, au début, vous savez, les lois associatives dans nos pays sont venues pousser, créer un développement de la liberté d'expression, a fait en sorte que la loi associative suive, mais en fait, on ne nous a pas préparés à bien organiser notre liberté d'expression. Quand c'était comme si les organisations de la société civile remplaçaient les communautés, que les communautés étaient devenues sans voix. Et donc, cela a amené à invisibiliser les communautés. Donc, il y avait pas mal de petites discussions comme ça qui faisaient en sorte que c'était nécessaire que beaucoup d'acteurs s'asseyent pour prendre conscience de la vulnérabilité que cet état de choses pouvait produire. Et ça, ça a été le déclic. C'est pour ça que j'appelle vraiment ce chapitre-là le déclic. Ce chapitre de cette histoire-là, le déclic. Et ce déclic a fait en sorte que Well-Grounded puisse s'engager, parce que nous sommes engagés pour la justice sociale et environnementale. Donc, nous nous sommes engagés à dire, nous allons porter ce dossier, nous allons en faire une affaire personnelle. Et nous avons parlé de ça à d'autres personnes, à des organisations, à des fondations qui nous ont dit, comment nous on a voulu porter ça, on s'est dit, nous allons essayer de déconstruire un certain nombre de choses auprès des organisations de la société civile. Par exemple, les mentalités de dépendance. Aucune organisation de la société civile, je ne sais pas si ça a déjà changé, mais toutes elles ont la main tendue vers l'extérieur. Il y en a une qui prennent d'elles-mêmes pour pouvoir pousser. Elles sont dépendantes et quand on est dépendant, on est plus faible. Donc, forcément, on a pris sur nous d'aller les bousculer un peu dans cette posture-là. D'aller vraiment les bousculer dans cette posture-là. On a obtenu un financement et quand je parlais de Mireille et Émilie, elles ont pensé à un projet vraiment pour commencer à faire cela. Et c'est dans la foulée des choses qui devaient, comme des supports de ce projet-là, on a pensé donc à cette cohorte de praticiens locaux dont nous sommes la première cohorte. Donc, le déclic a fait en sorte qu'on pense à un projet et le déclic a fait en sorte qu'on pense avoir des praticiens pour pouvoir le faire. Donc, la deuxième étape de notre voyage, elle va se situer entre 2018 et 2019. 2018 et 2019, ce qui était écrit sur du papier commence à prendre corps. Il faut qu'on aille vers les organisations de la société civile. Ça consistait après qu'on ait défini l'intention stratégique, il fallait explorer les chemins de mise en œuvre qui ont été faits. On a engagé les facilitateurs que nous étions pour qu'on puisse mettre en œuvre l'expérience pilote. Ce que moi, je retiens de cette phase-là, c'est que vraiment, on a expérimenté les crises du changement, chacun à son niveau, collectivement, vis-à-vis des OSC et vis-à-vis des communautés. On les a expérimentées de plusieurs manières, de telle sorte que pour moi, il n'y a pas de changement sans crise du changement. C'est important d'intégrer la crise du changement si on veut aller vers le changement. Donc, et ce qui était, je m'excuse, je pense que j'ai fait un truc, mais bon, ça se présente comme ça, on va le laisser comme ça. Donc, c'était donc nos premiers pas, mais ces premiers pas ont été perturbés par la crise COVID, mais ils ont été riches en apprentissage parce que pendant que nous étions à faire nos premiers pas, on avait l'avidité d'apprendre, on ne connaissait même pas comment, je crois qu'on avait des prérequis, mais leading communities. C'était pas quelque chose, on s'imaginait des choses. Et beaucoup d'entre nous sont allés nous sommes allés à la rencontre de l'ABCD. C'est dans nos premiers pas, nous ont conduit à aller rencontrer l'ABCD. Et ça fait toute la différence dans la manière dont le programme a dû se construire par la suite. Donc, et la crise COVID nous a beaucoup aidés parce que, en fait, au départ, ça aurait pu rester un projet qu'on aurait pu faire d'année en année. Le COVID nous a rendus créatifs.
nous a rendu résilients en termes d'adaptation et de renouvellement, de telle sorte que entre 2009 et 2021, comme on a réussi à passer d'un projet qui était connecté seulement aux organisations de la société civile à une idée d'avoir un parcours en ligne d'apprentissage avec des modules, et plus tard à avoir l'idée d'entretenir une communauté de pratique. Vraiment, notre envie d'avoir cette communauté de pratique, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes ici, il y a très peu de personnes dans le bassin du Congo qui parlent français, qui parlent anglais, et toutes les ressources du DBCD sont en anglais. On a besoin d'aller faire notre propre expérience pour essayer de mettre à la portée de ces personnes des outils qui parlent leur langage, qui touchent leur cœur et qui ressemblent à leurs coutumes. Donc, c'est vraiment aussi pour nous un chantier important d'avoir cette communauté de pratique. Et entre 2021 et 2022, on a appris de notre parcours. Et toutes nos sessions que vous allez avoir dès celle-ci-là, c'est vraiment les retours d'apprentissage. Audrey, demain, va vous en parler. Moi, je vais juste vous parler des fondamentaux, de ce qui nous semble être des fondamentaux pour la pratique de l'ACA, des accompagnements des OSC. Donc, en ce moment, on est en train de se refaire. C'est aussi l'intention, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes venus, parce que nous avons aussi envie d'écouter les autres nous refléter ce qu'ils ont compris ou alors comment ils se sentent avec notre programme, ou alors qu'est-ce que leur inspire notre voyage en réalité? Qu'est-ce que vous inspire notre voyage? Nous, on veut aussi, je pense que c'est important d'écouter les autres. C'était une brève histoire, mais je vais m'arrêter là pour que peut-être on ait un premier harvesting time. Qu'est-ce que nous inspire un peu notre parcours? Qui nous sommes et d'où on est allé pour arriver à un programme sous-régional à plusieurs services. Donc, ces services-là, par exemple, vous avez, je vais rapidement les balayer comme ça, je pourrais vous permettre de voir plus globalement. C'est vraiment le service d'accompagnement pour les OSC. Et nous sommes vraiment fiers de ce que de plus en plus les organisations internationales s'intéressent à ce service-là. Parce que, surtout celles de la conservation, elles sont sur le terrain, elles vivent avec les communautés. Et vous savez, depuis les événements d'il y a quelques années sur la pression qu'on fait sur les peuples autochtones dans le bassin du Congo, ça devient important que chaque organisation internationale veille à ne pas heurter les sensibilités locales. Donc, on a une forte sollicitation et on se rend compte qu'on a besoin de renforcer ce qu'on met dans ce programme-là pour que ça aide aussi les autres. Donc, dans ce programme, donc, on pense à faire des accompagnements à cas, je vais un peu vous schématiser ça tout à l'heure. On fait des visites d'échange, on fait de la formation, on fait aussi du coaching pour les champions et les championnes à cas. La deuxième chose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le parcours d'apprentissage en ligne. On l'a baptisé Café des pratiques et des savoirs, parce qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur les pratiques et sur les savoirs. Et donc, c'est plusieurs parcours, mais le premier qu'on a fait sur le parcours ACA, on aura d'autres déclinaisons toujours liées à l'ACA. Et puis, on a un peu un follow-up sous la forme de réunions avec les praticiens qui ont fait l'objet d'une cohorte qu'on a appelée les Masolo. Masolo, ça veut un peu dire en Afrique, un peu la case à palabres. Vraiment, c'est l'espace où on se partage. Mon Dany, qui est de la RDC, là, peut bien nous dire, et Jean-Baptiste, dans le chat, ce que ça veut dire Marcelo, mais je tiens quand même l'idée générale. Et le troisième service, j'avais déjà dit, c'est vraiment la communauté de pratique. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on aime partager, on aime apprendre, mais le clou de cette communauté de pratique est dans la co-création. Quand on fait un transfert de connaissances, si ce n'est pas dans la bonne langue, ça n'atteint pas la cible. Et la cible, si ce n'est pas pris dans le contexte culturel traditionnel, ça n'atteint pas la cible. C'est toujours difficile d'utilisation. Et donc, c'est nécessaire que les praticiens du bassin du Congo, ceux d'Afrique aussi, nous nous mettions ensemble pour pouvoir ramener cette information-là dans la langue des praticiens d'ici et de ramener toute la bonne information. Il y a beaucoup de sites, mais ils sont tous en anglais. La conférence est en anglais. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a besoin de faire quelque chose. Donc, on a aussi dans le volet de la communauté des pratiques co-supporting. C'est encore quelque chose en travail, mais c'est l'idée qu'on a envie de mettre là derrière. Donc, et
Voilà un peu notre cycle d'immersion et d'expérimentation. Pourquoi immersion? Parce qu'il est important qu'avant de commencer à parler ACA, que les parties prenantes s'immergent pour pouvoir avoir un commun dans le parcours qu'ils vont faire. Donc, je vais balayer très rapidement ces parties-là. Ça peut revenir dans la suite de mon topo. La première étape pour nous, c'est on s'immerge par des connexions et des engagements. Je peux peut-être dire quelque chose à ce niveau-là. Les connexions et les engagements, c'est vraiment pour jeter les bases d'un environnement, en fait une terre fertile pour l'ACA. Parfois, on ne se pose jamais la question, l'approche que je veux amener là, est-ce que les conditions du milieu, ce que j'ai dit, les conditions du milieu, c'est beaucoup de choses. Hein? À l'ABCD, on a ça, au moins les 5 principes de l'ABCD, la communauté, l'inclusivité, le milieu, je pense qu'il y en a encore de les atouts et les relations, au moins si elles sont suffisamment saines ou si elles ont besoin d'être construites ou si elles ont besoin d'être renforcées. Donc, se connecter, c'est aussi jeter les bases de cet environnement-là. Et ça aide vraiment, nous, en tant que praticiens, de se connecter aux réalités organisationnelles des OSC et aux réalités fonctionnelles des communautés pour comprendre et apprécier ce qui fait commun. Parce que la notion de communauté est liée à ce qui est commun. Et aujourd'hui, j'étais très heureuse d'écouter, j'ai vu Janine là hier, j'étais très heureuse d'écouter le pionnier John McKnight hier. Il disait que une des choses qui a évolué, c'est que le mot, il disait ça en anglais, neighborhood, que c'est en train d'évoluer. Et que la vocation du neighborhood a été un peu renvoyée vers les institutions. Mais les institutions ne peuvent pas faire tout ce que le neighborhood peut faire. Et donc, il est important aujourd'hui de comprendre quel est le commun qui fait commun dans une communauté. Tout un village ne peut pas être communauté pour la CAP. Toute une organisation ne peut pas être communauté pour la CAP. Qu'est-ce qui fait communauté? Qu'est-ce qui fait commun dans la communauté de l'organisation ou dans la communauté de la communauté? Donc, et quand on a identifié ce commun, c'est intéressant de voir s'il est fort ou il est vulnérable. S'il est fort, comment on le consolide, comme je viens de dire, mais s'il est empreint de vulnérabilité, comment on s'assure à recréer un commun? Et j'étais vraiment encore ravie de l'écouter hier, qui disait que peut-être qu'on est en train d'évoluer au-delà de la proximité neighborhood, on est en train d'évoluer vers un commun qui soit au-delà du neighborhood, au-delà de la langue, mais qui devient le fruit d'une culture partagée, ce qui fait sens pour nous, ce qui nous interpelle. Donc, c'est vraiment important, cette phase de connexion et d'engagement. L'autre étape qui est toujours dans l'immersion, c'est la déconstruction et la construction. En réalité, she's gone. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est allé très rapidement. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'essaie de refaire ça rapidement, le partage. Voilà, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé là en une seconde. Là. Je me remets en mode... Voilà, je me remets en mode, voilà. On va passer rapidement. Voilà. Donc, je disais que toujours dans la phase d'immersion, c'est hyper important de veiller à ce qu'on puisse déconstruire les mentalités. Parce que l'approche ACA vise à unifier la tête, le cœur et les pieds. Donc, parfois, quand on va avec une approche auprès des gens, des personnes, des communautés, c'est leur tête qui accueille. Parfois, c'est même d'abord le cœur qui accueille. Mais la tête, elle a des blocages, parce que finalement, et quand la tête a des blocages, les pieds ne vont pas bouger à cause de nos croyances. Ça peut être des croyances organisationnelles. Je vais prendre un type de croyance organisationnelle. Une organisation qui dit que nous, on ne fait pas de projet parce qu'on n'a pas d'argent. Mais on n'a jamais dit que pour faire un projet, il fallait avoir de l'argent. L'argent n'est pas la clé qui ouvre la porte au projet. Donc, comment est-ce qu'on déconstruit ça au sein d'une organisation? Je prends quand on va dans une communauté où les gens disent toujours, je dis des choses banales qu'on dit chez moi ici au Cameroun,
c'est vous les gens de Yaoundé qui avez l'argent. Mais je me demande, moi, Yaoundé, excusez-moi de dire ça comme ça, je galère pour avoir le moindre 5 francs. Je pense même que je suis en esclavage à Yaoundé. Mais ceux qui sont au village là-bas, ils ont de quoi manger tous les jours. Ils ont accès à la terre. Ils ont accès à beaucoup de choses. Donc, ils sont sur une mine d'or de richesse, mais en réalité, c'est leur mentalité qui les arrête. Donc, cette phase est vraiment très importante. Cette étape de l'immersion, on n'est pas même encore dans le processus. Cette étape de l'immersion est tellement importante qu'il faut faire ce cycle-là. Et chacun de ces cycles, il faut avoir designé un process. Et vraiment, mon intention en vous présentant ça, c'est que vous pouvez revenir vers nous pour voir quels sont les outils que vous avez utilisés qui peuvent aider à rentrer dans un process, les techniques, ainsi de suite. Parce que nous, on a envie de développer plus amplement des process pour chacune de ces étapes-là. Donc, après la déconstruction, donc, on a quand même des gens qui sont, comme on dit chez moi, nés de nouveau, qui sont revenus à la vie d'une certaine manière, qui ont déjà un mindset qui a évolué. On parle un peu des objectifs et des engagements AKA. Et ça, je peux vous dire que pour arriver à comprendre ceci, il nous a fallu faire arriver au moins à 1 an et demi ou à 1 an 8 mois du parcours, qu'on s'est rendu compte que, en fait, il était important dès le départ d'amener les organisations et les communautés à se définir eux-mêmes des objectifs d'engagement AKA et à se définir des trajectoires qu'elles-mêmes elles devront emprunter avant d'amener tous les outils de l'ABCD. Bref, c'était une grande découverte pour nous-mêmes quand on s'en est rendu compte presque à la fin du parcours. Et je garde toujours ma propre pensée, mon enthousiasme par rapport à ça, quand je dis toujours, en fait, on termine l'ACA quand on devrait le commencer. On termine notre expérience pilote quand on devait la commencer. Et donc, après cette étape-là, en fait, il faut voyager, il faut prendre la destination vers ses engagements ACA. C'est ce que je pense que nous, c'est ce que je vois que notre expérience nous a appris. Et après, il faut penser vraiment à la célébration. Donc, je vais... On dirait qu'on a perdu Martienne encore pour un moment, mais je pense qu'elle va revenir. It seems like we lost Martienne. We are going to wait a few minutes to see that if she is coming back. No problem. It managed to correct itself last time, didn't it? Okay. Je t'aide avec quelque chose. OK. While waiting for Martienne, is there any question? Pendant qu'on attend le retour de Martienne, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des partages que vous aimeriez faire? Have you learned something about well-grounded or ACA program? Do you want some clarification? Anything else before Martienne is there? Sorry for you, Martienne. J'ai eu deux connexions et je ne sais pas pourquoi elles ne marchent pas. Mais je t'avais déjà passé la main. Je suis Audrey. J'avais juste besoin qu'on écoute un peu. On s'arrête un peu pour écouter. Des uns des autres. Je vois aussi que Janine a dû bouger. Donc, j'aimerais quand même écouter. Qu'est-ce que ça vous inspire, notre histoire, notre chemin? Je vais peut-être commencer par Ori. Ori is an English speaker. So, we have to translate so that... Okay, so I said I'll make a stopover just to harvest what we have made from what we heard of what I have said. How have you been inspired? What would you like to say about that?
Would you like to jump in, Rory, to say something? Yeah, of course, yeah. As I say, I'm hearing about half of it from what Janine was able to translate. But the thing that's most inspiring to me is just sort of like the process of how you described going from a process which wasn't very ABCD and then changing it along the way to becoming more and more and to push more in that direction of people doing things for themselves, embedding training to be part, to reconsolidate, you said, that aspect of people's skills. And that was really inspiring and relates to some conversations I've had with other people about what our role as professionals is in ABCD, and that helping to support, to build those skills. I think it's really important that that we do have a role in communities as professionals, and maybe that's it, it's to support in that way. So thank you very much for that. Thanks. Maybe I don't know if Serge, I see you are clapping. I don't know if you want to say something. If you want, go ahead. I'm going to continue sharing my screen because I would like us to talk about the principle. Audrey, est-ce que vous avez un visuel, le PowerPoint? Good, merci. Oui. Super. Donc, je vais essayer, I will try to mix French and English so that you gain something, Rory. So I will be using both languages. So je voudrais présenter, partager avec vous les principes d'accompagnement qui sont basés sur l'être et l'action. Because as a community, in order to ensure that a community, the function of a community or the sustainability of the sprint foot of an organization is sustainable, that depends en grande partie, mostly on their mental health, la santé mentale, the quality of this the community spirit that is amongst people, amongst communities members within the community. Donc, ça dépend vraiment en grande partie de la santé mentale, de la qualité de l'esprit communautaire. Ça ne dépend pas des projets. Les projets sont des vecteurs qui viennent matérialiser une intention de changement. Mais quand on parle des fonctions de nutrition, des fonctions de santé, en réalité, ça dépend en grande partie de l'esprit qu'on a au sein de la communauté. C'est pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour enrichir les différents processus que j'ai partagés tout à l'heure et nourrir la boîte à outils des facilitateurs. Je vais partager avec vous des principes, des bases. Je ne sais même pas si on peut les appeler principes parcours. Et je pense aussi que c'est encore de progrès à surveiller. Parce qu'en réalité, on embarque souvent des organisations et des communautés qui n'ont jamais pris la ligne de départ. Et on continue avec elles. Et on essaye de les forcer à les amener jusqu'à l'arrivée. Parfois, ce qui nous sauve, c'est juste un clash de chemin. Mais en fait, elles n'avaient jamais pris le départ. Donc, comment savoir si c'est une communauté? Parce que, par exemple, les OSC qui sont notre cible de partenaires, je ne veux pas me laisser le mot cible, mais cible de partenaires, elles aiment beaucoup les formations. Mais si vous allez demander qui a mis en pratique une formation, vous verrez très peu. Donc, comment on fait la différence entre une OSC qui est en train simplement de faire un parcours de formation avec une OSC, un training avec une OSC qui est en train de faire son parcours de transformation, son parcours transformatif de ACA. So I was saying that for you, Rory, that as I said previously,
we would like to enrich our process as and the principle I'm going to share could be seen as progress markers that we as facilitator can just have an eye on them. Sometimes as facilitators, we get communities, we get civil society organizations that from the beginning are not with us. We are just pulling them, but they are not, they do not, maybe that is why we usually see that when the facilitator is gone, everything is down, everything is break. So the first one for me, or for us that we have worked on, the first one is the change, le changement, but mostly the change laws. Donc les lois du changement. Et dans notre parcours, la première loi qui m'est apparue comme quelque chose de très fort, c'est la permanence du changement et la responsabilité face au changement. Le changement est tellement naturel qu'on a tendance à ne pas le voir. Et parce que tout ce qui vit change. Les communautés, les espaces de vie, les environnements sont par nature dynamiques, vivants. Et par conséquent, ils changent. Donc, c'est important d'avoir une attitude vis-à-vis du changement. Et parfois, on a l'impression qu'on subit le changement parce qu'on n'est pas conscient de ce que des choses changent, parce qu'on ne saisit pas les clignotants qui indiquent qu'il y a un changement qui vont venir. Je vais peut-être prendre un exemple, je ne sais pas, banal. Le passage du fœtus au bébé, le passage du bébé à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte et à la vieillesse. Si on ne fait pas attention au moment de transition, de changement, pour être soit responsable actif ou soit responsable passif, je dis toujours que notre attitude conditionne la finalité du changement. Donc, c'est très important pour nous, en tant que facilitateurs, de nous assurer que l'organisation avec laquelle on travaille, pardon, la communauté, j'essaie de mettre mon ordinateur en marche, la communauté avec laquelle on travaille comprend ce que c'est que le changement, a cette perception de loi du changement. Parce que quand on connaît les lois du changement, ça ouvre l'esprit. Et j'ai touché aussi beaucoup de choses, mais on va y aller. L'autre loi, c'est que le changement fait émerger des crises. Il n'y a pas de crise sans changement. Les crises permettent d'aligner la tête, le cœur et les pieds. Je peux me tromper, mais je parle de ma propre expérience. Parce que ça se bouscule tellement. Ça bouscule tellement qu'il faut que pour être à l'aise, que quelque chose s'aligne. Et donc, si ça se fait au niveau de l'individu, de la personne, ça doit aussi se faire au niveau de l'organisation. L'attitude face au changement, aux crises de changement, sont vraiment clés. Elles sont clés dans cette... je voudrais admettre quelqu'un qui vient juste d'arriver. Luc, voilà. Parce qu'à aller vers le processus de construction ou de déconstruction ou de construction des mentalités utiles pour la direction dans laquelle on veut aller. Moi, je suis un peu chrétienne et dans la Bible, on dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut chercher des outres nouvelles. Donc, c'est vraiment important de saisir de cette loi du changement-là. Donc, en tant que facilitateur, il y a un travail à faire là. Et il y a la loi de la pensée et de la parole qui crée. Une des choses qui est pour moi un indicatif pertinent aujourd'hui, c'est lorsque j'écoute quelqu'un changer, je sais si c'est un champion du changement ou si ce n'est pas un champion du changement. Parce que le langage est un vecteur, c'est un indicateur de changement. J'ai souvent entendu quelqu'un dire, si vous voulez changer, changez vos paroles. Et si vous voulez changer vos paroles, changez vos pensées. L'être humain est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, la centrale de commandement du changement, ce sont les pensées de notre cœur. Donc, on ne peut pas changer un être humain, on ne peut pas amener un être humain vers la voie du changement si sa nature en elle-même ne change pas. Il faut aider à faire progresser les mentalités.
et à faire en sorte qu'on se forge de nouvelles croyances dans le domaine dans lequel on a envie de se lancer, qui vont débloquer l'esprit, les pieds, et vont créer de l'enthousiasme dans le cœur. Et là, je parle vraiment de ce que je voulais partager avec vous au niveau du changement. May I summarize for you, Rory? I was just saying that it is important as a facilitator that we have in mind that change is something permanent. You cannot bring people into ACA or ABCD approaches without making, even if it is a community, even if it is a civil society organization, without putting them through a mindset shifting process. So, that is the way I can just summarize that. And the second one you can see now, it is the communion. Communion drives love, collaboration, creativity. I heard somewhere, and I remember that I am the one who said it, or someone else. It is better to meet people than giving them money. Being compassionate, building trust for strong connection. Meet people where they are. Proximity fellowship and non-giving direction fellowship. So communion is based on creating strong and true relation based on human value in order to get informed of what is really going on within a community, what is the real community we are going to lead or to support, or where are the power, the within power, the power with the capacity of. Donc, j'ai shifté une seule fois en anglais pour parler de la communauté. En réalité, pour moi, la communion, je pense que la communion même, c'est vraiment... Et les approches centrées sur les communautés parce qu'elles permettent de créer de vraies valeurs humaines, des relations basées sur l'humanisme. Ça nous permet de définir la communauté avec laquelle on travaille. Moi, je reste toujours sur ma soif en me disant, quand je mène un programme ACA à SOC ou à, je sais pas où là, à India, c'est quoi ma communauté d'accompagnement? Ça reste vraiment pour moi une question importante. Et où se trouve le pouvoir intérieur, et comment s'exprime ce pouvoir, et comment on transforme ce pouvoir en un leadership, en un potentiel de leadership pour la communauté, pour les individus. Je vais aller assez rapidement aussi sur la régénération. Dans régénération, j'ai fait simple vraiment parce qu'il y a deux mots là, régénérer, qui veut dire quand même ce qu'on vient de dire là. Quand on a parlé de construction et déconstruction, mais je ne vais pas me limiter à ça. Mais il y a derrière ça l'autre qui est génération, comme nouvelle génération. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à jeter la semence, à mettre la semence dans la bonne chair pour qu'on ait de nouveaux épis, pour qu'on ait une génération de champions qui vont refaire la même chose et qui vont dupliquer. Donc, c'est un principe très important qui, je peux dire en anglais, regeneration. First branch of that principle, mindset shifting, as I said. First move people heart, because passion drives lives before you move their feet. Stimulation their creativity and spirituality, kind of improving the way they think, the way they feel, and so on and so on. And also building a generation of ACA seeders, those who will be able to move their feet, or to move community feet or the organization, the seed or the feet of the organization. And the next one is the, c'est l'ensemencement, c'est vraiment la loi, si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. C'est ce que nous-mêmes on a fait. On a fait ce programme, ça avait l'air d'être, peut-être on peut rester sur notre soif qu'on n'a pas fait beaucoup de choses, mais moi quand je vois tout ce qu'on partage aujourd'hui, on a semé quelque chose, on a récolté. Donc il n'y a personne qui sème sans récolter. Donc il faut toujours pousser ou alors aider à ce que l'organisation prenne conscience de la nécessité ou la communauté d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de prendre le risque.
C'est-à-dire que, et pour moi, derrière l'ensemencement, il y a vraiment le don de soi. Le changement est lié à la vie. Donc, tout ce qui vient de la vie vient le par le principe de l'ensemencement. Il n'y en a pas une autre manière. Regardez comment nous-mêmes on fait nos bébés. Il faut qu'on ensemence quelque chose quelque part. Donc, et nos actes même sont le fruit de l'ensemencement de nos pensées. Donc, on ne doit pas occulter vraiment cela parce que c'est très important. Donc, the last one I have just finished is the seeding principle. That seeding principle is attached to life, how we reproduce life. If you just see how we make our kids. If you do not seed, if you do not gift yourself as a gift, and you put it somewhere, but you not harvest anything. So that is the way I can simply help you with that, Rory. The next one is the power of decision. The power of decision. This one has challenged me and is still challenging myself. C'est le pouvoir de la décision me challenge et ça continue à me challenger. En ce sens que nous sommes toujours derrière les OSC, derrière leur attentisme et leur langueur. Et leur attentisme nous donne beaucoup d'espace. Et on a le sentiment vraiment qu'on fait quelque chose. Mais ce que je vois, c'est que ça empêche de briser les chaînes et les échelles de dépendance. Comment, en tant que facilitateur, on amène les organisations à prendre des décisions par elles-mêmes, les communautés à prendre des décisions par elles-mêmes, comme responsables premières de leur sort, de ce qui doit leur arriver ou de ce qui devrait leur arriver. Il y a un mot, je suis la première à beaucoup l'utiliser. J'aime toujours dire, je suggère. Même dans nos accompagnements, on dit beaucoup que entre les deux, la suggestion et la décision crée des champions et la suggestion crée des suiveurs dormants. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je dis, mais la suggestion crée des suiveurs dormants. Et on a beaucoup, dans nos manières de faire, créé des OSC dormantes qui se reposent toujours sur « allons dans cette direction, on va y aller ». Peut-être qu'à un moment, il faut s'arrêter pour laisser l'OSC décider. Parce que si elle décide, ça veut dire qu'elle aura fait le processus de la décision. Parce que derrière ça aussi, il y a le processus de la décision. Et elle aura vu par quoi je vais commencer et par quoi je pense que c'est plus pertinent qu'on m'accompagne de ce côté. Parce qu'on est toujours d'une manière comme d'une autre en train d'orienter la décision. Et je crois que ça ne brise pas la chaîne de dépendance. Et c'est très important en tant que facilitateur de vraiment... regarder ces choses-là avec beaucoup d'attention. Donc, il y a un lien entre la vision et la décision. De manière populaire, on dit souvent que quand il y a la vision, il y a la provision. Et la nature tout entière travaille et réagit positivement en termes d'action. La décision crée le mouvement. Quand je me rends compte que les pieds, peut-être des OSC qui ne bougent pas, c'est que finalement, il n'y a pas de décision. C'est que finalement, il y a des incitations, mais il n'y a pas de décision. Comme pour dire que la décision a et la décision est un pouvoir. Prendre de manière autonome sa décision, la revendiquer, l'assumer et la légitimer, c'est vraiment quelque chose qui fait bouger les pieds et ça fait en sorte que l'action puisse effectivement suivre. J'ai mis le partage. Le partage, c'est quelque chose, je vais juste partir d'une anecdote, je vais aller très vite. Je vois Jean-Baptiste qui vient dans la salle. Je suis partie d'une... Le partage, c'est quelque chose que j'avais à mon esprit, discussion avec vous. Dans l'âge est naturel. On a regardé de nous donner les rayons du soleil. Et ce sont les rayons du soleil qui apportent la vie sur la terre. Donc, personne ne se suffit. On a une chaîne d'interdépendance qui est nourrie par le partage et la diversité et la générosité. Notre diversité inspire notre complémentarité qui crée notre richesse. Tout ce que nous partageons entre nous, c'est par envie de survie. Donc, l'une des envies vitales de l'être humain, c'est de donner et de recevoir. Et ça me rappelle que la Bible dit aussi que
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas comment chacun accueille ça, mais partager la même passion, célébrer tout ensemble, apprendre ensemble, se mettre en mouvement ensemble, être solidaire de joie et des peines, des challenges, c'est vraiment quelque chose de très important parce que si on ne va pas, je prends même l'exemple des communautés de pratique qu'on essaye de créer, malgré tout notre enthousiasme, on se rend quand même compte qu'il faut des personnes pour venir recevoir. Il y a des personnes qui doivent venir mettre quelque chose pour que ça ne se refroidisse pas. Donc, la vie a tendance à se refroidir et à disparaître s'il n'y a pas de partage. Et puis, la personne a terminé en disant, le partage est le nutriment de l'ACA. C'est l'essence de toute communauté. Une communauté qui ne partage pas se meurt. Sans le partage, la vie, les traditions, les cultures qui devraient se transmettre de génération en génération ne se transmettent plus. Elle permet, donc le partage permet de se mettre au service de la cause commune par sa générosité individuelle, interne ou externe. Donc, c'est ça qui, le partage crée des perspectives et des étincelles de créativité. Moi, ça m'a beaucoup vraiment intéressée d'écouter cette amie-là et c'est un collègue et j'ai vraiment voulu parler de ça, venir avec ça comme ça pour qu'en tant que praticien, on se rende compte que c'est important de stimuler au sein d'une communauté la culture du partage parce que c'est ça qui va maintenir la vie au sein de cette communauté-là. Et l'autre, l'avant-dernier et le dernier, c'est notamment la force de l'organisation et de la communauté à développer une culture de gratitude, une culture d'édification. Ça, c'est l'élément fort de l'état d'esprit d'une communauté ou d'une organisation. Comment bâtir un état d'esprit commun de bien-être? Là, je parle vraiment, même naturellement en tant qu'être humain, quand on n'a pas cette nature de gratitude, c'est comme si on vivait toujours dans le mal-être. On vivait toujours dans une ambiance d'insécurité, de non-apaisement. Donc, c'est important qu'on amène une communauté à se bâtir cette esprit de bien-être, d'apaisement et de sécurité. Parce que c'est ça, effectivement, qui va aider la communauté, la fluidité même des relations au sein d'une communauté. Et c'est très important. Et le dernier que j'ai mis en termes de... Comment je vais appeler ça? En termes de principes, de choses à avoir à l'esprit, comme à la boîte, à une boîte, dans notre boîte à gants de facilitateurs, et de chercher à voir comment on amène les communautés à atteindre cela. C'est la mentalité et l'attitude de résilience. Comme la nature change, les saisons aussi changent. On s'adapte à la saison des pluies, on s'adapte à la saison sèche. Mais quand je pense à la mentalité, à l'attitude de résilience, je pense à l'histoire de la fontaine qui a écrit La cigale et la fourmi. La nature impose le changement. Comment on accueille le changement? Comment on est flexible? Comment on a l'humilité pour apprendre? Comment on développe l'humilité, la curiosité dans les chemins qui se tracent? Donc, je pense qu'on a beaucoup développé dans le cadre de ce programme une mentalité et une attitude de résilience parce qu'en réalité, si on s'était arrêté à COVID, on ne serait pas en train de parler à cas. Donc, je vais encore m'arrêter là et cette fois, je vais laisser Audrey, qu'est-ce qu'on avait prévu? C'est le deuxième. Est-ce qu'on peut faire les breakout rooms? Mais peut-être que je suggère qu'on... Tu penses qu'on peut faire les breakout rooms ou qu'on n'est pas très nombreux, on peut juste parler. Et moi, la question, ce serait... Je propose. Oui. Et moi, la question, ce serait... On n'est pas très nombreux, mais peut-être que... oui, on n'est pas très nombreux. Est-ce que quelqu'un veut apporter un commentaire sur un principe particulier? Dire comment ça a résonné chez lui. Chacun choisit le sien et il dit... peut-être parce que j'ai dit mais comment ça résonne chez lui et qu'est-ce que ça déclenche quoi. Donc je te laisse cette session là, je vais juste faire une petite traduction pour Rory pour qu'on puisse avancer et qu'il puisse aussi être dans cette partie là. So Rory, sorry, I am not stressed by the time, but I have in my mind that maybe
the planning team could tell us it is time now to stop, because as we lost our time before, so I don't know if that they need this thing to go ahead. So I share many things, but I don't. We can stay in contact to have to deeply get have a discussion on what I did not translate when I was speaking. But from now, I would like us to stop the sharing and ask each of us, from what I have said, from each principle, which one you love, which one makes sense for you, or which one do you want to experience, or do you have to continue meditating with? Audrey, à toi. Maybe to understand more also, maybe there is a principle that someone wants to understand more, don't hesitate to ask the question. Donc, j'étais en train de dire que les explications n'étaient pas assez claires, puisque le temps est assez limité, on ne peut pas étaler tout dans cet espace qui nous a été dédié. N'hésitez pas à poser la question. Donc, les échanges sont ouverts. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Un commentaire, une question, une appréciation? On vous écoute. N'oubliez pas d'ouvrir les micros, les parce micros, que la plupart des caméras sont fermées. Voilà. Et peut-être qu'on va bien d'ouvrir les... ce moment pour prendre la photo de groupe. Oui, il faut ouvrir les caméras aussi. Donc, ça serait bien de les... de prendre la photo de groupe. Toute l'équipe de Wellbeing qui est là, si quelqu'un peut partager la photo de groupe, ça peut être une bonne chose. Alors, qui veut dire quelque chose sur un principe? Qui veut comprendre quelque chose? Qu'est-ce que ça fait là aujourd'hui? Je sais que c'est aussi le reflet de nous-mêmes. Hein? Donc, n'hésitez pas. Would you like to say something, Rory? Just thank you to both you Marcia and you Audrey for hosting the session. Sorry, I can only remember the smallest bits of French from my high school days. But the thing that resonated most with me was that your second step was communion. And I think that for me, that's always the most important part. And I'm glad to see that's one of the first things, because I think without that, any of the other things can never happen. It's always about, if you can really make that sense of community and communion in the beginning of the work, then it's much easier to do everything else afterwards. So that's great. And I really, really agreed with all your points. And so thank you very much. I mean, you feel free to go on for another 5 minutes or so if there's anything else that you need to do, because there's not another session in this particular Zoom for another 15 minutes. So you can have that time if you'd like. Thanks. That is lovely. Thanks enough, because you came with something that really resonates, and you said a lot of community, it is better to start with. Really. And I really like that. I love that. So maybe when we will be processing, let us try to see how we work on community, on communion, before working on other things. That resonates really with me. From the perspective we did it, and from the perspective we intend to do that. Thanks a lot, Rory. Une autre personne, Serge? Serge? Yeah, dire quelque chose? Mary? Yeah, Mary. Yes, please. Yeah, Marcien, it was really, really interesting listening to you go through all the whole phase of intervention, the history, the success stories, and what we have on the ground until now. ABC, when I saw ABC at first, I learned about this when I just joined Well Grounded. As you know, I'm still new. I'm still finding my feet in Well Grounded as the Women Leadership Program Manager. So it's so much interesting. And
I like your enthusiasm, the fact that you carry this on you, you know, the fact that it is part of the team, carries it on them, and they know their way about the whole of this system. We are all in the world of development, but I think ABC has like the basics. Rory just said a while ago that get communion, it's something very, very important. I think it's very important. And you also said something very important about the fact that we should, decision-making is owned. You don't bring people to tell them what to do. The communities are autonomous. They understand what is happening to them. They know where they are coming from. So we as facilitators, we are just there, as the word says, to facilitate, to guide them, to make them to understand what their present situations are all about, what is around them that they cannot see that can help them, and how they can make use of all of what is around them to build onto their stories, because they are the ones living it. Civil society facilitators, you come in and you go out. They stay in with their issues. So what you come in with should stay. That the word permanent to me is very, very important. It should stay. You have to construct something. The deconstruction is the thinking you're bringing to them, is the reflection you're bringing to them, to see things in another way, to look at their lives in another way. And to regenerate means they are coming back to life, like turning about to look in front and say, ah, this is where I was and this is where I'm going to. And I have a new life. I have a new thinking. I'm building on something new. And it should stay. It should stay. Civil society organizations should not come to stay within communities. They come, build, and leave. And communities should continue to grow. Yeah. Exactly. So I think I really admire that approach. And kudos to all of you. And we are together, and that the train is on, let's keep it going. So, lovely. Thank you very much. Thank you. Thanks, Mary. Really lovely, awesome what you just said. And I see how I will enrich those principles with what you came with your thoughts. So thanks a lot. Someone else, quelqu'un d'autre, prenons un peu de temps pour la petite discussion, peut-être encore une personne, et puis on va aller vers la fin. N'oublions pas aussi cette vidéo, cet enregistrement est très important pour nous, donc pour partager aussi dans nos réseaux, donc il faut qu'on fasse vraiment tout très bien. Je vois Hilaire qui nous regarde. Je ne sais pas s'il a envie vraiment d'ouvrir son micro, mais il insiste avec son regard. Non, je pense qu'il n'est pas prêt pour le moment. Alors, on va s'acheminer vers la prochaine slide, qui est la dernière aussi. Ah, il est prêt, ça a pris du temps. Comme quelqu'un a dit, il a fallu du temps. Merci, Martienne. On t'entend pas, Hilaire. Rapproche ton micro. C'est ouvert et je crois que c'est assez proche. Je dis merci pour cette opportunité qui me donne de dire un mot pendant cette conférence. Vous savez que je porte comme vous l'ensemble des éléments que vous avez cités parce qu'on a fait le parcours ensemble. Et il faut le dire que chaque fois qu'on entend, plus ça résonne, plus ça creuse, plus ça cible. Donc, ce serait vraiment difficile de suivre cette conférence sans apprécier, sans dire merci à Martienne d'avoir pu remettre, réouvrir et représenter tout ce qu'on a vécu ensemble.
C'est vrai, chacun avait une trajectoire à lui, mais le fait de parler communique et fait des liaisons entre les différentes trajectoires et crée encore plus d'emphase dans ce qu'on a envie de partager, ce qu'on a envie d'apprendre. On te perd encore un peu, Hilaire. Alors, je terminais en disant que le fait de t'écouter parler, d'écouter revenir sur l'ensemble des étapes qu'on a vécues ensemble, font en sorte que ça creuse un peu plus l'enthousiasme d'apprendre, l'enthousiasme de chercher plus, de creuser plus, de s'intégrer plus, et c'est ça. Mm-hmm. Donc, le temps que tu as pris pour nous réveiller encore, nous réintégrer, nous remettre sur le chemin. Merci beaucoup, Hilaire. Merci. Je vais rapidement aller vers la fin. Nous sommes, il n'y avait pas beaucoup de slides, peut-être beaucoup de choses à slides et beaucoup d'animations comme celle-ci là. Donc, où est-ce qu'on va à partir de maintenant? À partir de maintenant, pour nous, c'est le nouveau ACA, les nouveaux accompagnements ACA. Comment on sécurise les demandes, comment on répond aux demandes qui nous ont été faites par certaines organisations, ONG internationales, et comment parce que dans notre approche, chacun nous l'appliquons aussi en nous-mêmes, on ne s'est pas arrêté de travailler, on continue de construire et de bâtir le parcours. Mais comment est-ce qu'on va sécuriser des fonds nécessaires pour pouvoir engager? Quand je dis engager, c'est un très fort mot, mais connecter, voilà, se connecter à des organisations qui ont envie de faire ce chemin-là. Donc, créer de nouveaux parcours. Donc, il y a déjà le gros chantier qui dépend de nous, qui ne dépend pas de financement, et c'est très intéressant parce qu'on a un pas suivant, c'est systématiser notre approche. Et quand on l'aura systématisé, à ce moment, on ne dit pas que si on n'a pas de financement, on ne va pas avancer, non, parce que je crois qu'on est assez créatif à Well Candid. On saura trouver des passerelles, même dans notre consultance d'OD, pour pouvoir. En fait, aussi, le programme ACA est rattaché à notre programme OD. Et tout ce qu'on a, c'est notre sensibilité de praticien développement organisationnel qui nous a permis de voir entre les lignes un peu et de présenter ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc, la deuxième chose, c'est de lancer le prochain ACA online. Donc, il y a un chantier début janvier de l'année prochaine pour designer le programme et proposer le parcours. Une des choses qu'on a envie de faire, la dernière fois, on avait pris de personnes un peu extérieures à Well Candid parce qu'on voulait écouter d'autres sons de cloche et c'était très intéressant parce que ça faisait un peu comme une mutualisation de savoir et de pratique. Mais ce qu'on voudrait encore, toujours dans l'idée de shifting the power, de capacity aux praticiens, aux praticiennes, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui vont venir de l'extérieur puissent se mettre aux côtés des praticiens locaux qui vont porter le programme. Et comme ça, on va avoir un enrichissement. Ça va être un peu comme si des praticiens de longue date, parce que moi, j'imagine un peu, je rêve un peu que j'ai comme mentor le pionnier John McKnight. En réalité, il va tellement m'apporter beaucoup de choses dans ce que je serai en train de faire. Et moi, je vais adapter ça avec les éléments de mon contexte. Et donc, ce qu'il aurait pu dire aisément dans son contexte à lui, je pourrais le redire parce que j'aurais été ensemencée par lui et moi, je serais en train d'ensemencer d'autres personnes à partir de la richesse que lui m'aura donnée. C'est un peu comme un mentoring à cas programme entre des personnes qui ont de l'expérience pour enrichir. Déjà, moi-même, j'ai besoin d'être enrichie. Je pense que c'est aussi le cas des autres pour que nous-mêmes, nous prenions ça avec notre façon de parler et en prenant les exemples qui font sens pour nous ici. Donc, et après, on va proposer le parcours. Cela, on pense que ça peut être une chose qu'on peut envisager autour de mars ou d'avril de l'année prochaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail pour systématiser, designer aussi ça. La troisième chose, c'est la co-création des outils.
Pendant notre expérience, on a des outils qui ont été sur lesquels on a commencé à travailler, notamment le plan d'action ACA. Et on voulait proposer à des praticiens du monde entier, ceux qui veulent, de se joindre à nous pour qu'on en fasse un outil du facilitateur. Et c'est un chantier qu'on va lancer aussi très prochainement. C'est aussi pour ça qu'on est venu, pour voir comment on peut en faire un véritable outil pour les facilitateurs de ACA. Et puis, il y a aussi d'autres outils que individuellement, les praticiens qu'on a appris dans les communautés, sur lesquels on voudrait un peu s'asseoir et vraiment les sortir de l'ombre et voir comment ils peuvent venir nourrir la palette des outils de l'ABCD. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire dans... Et ça, on a envie de faire ça dans la communauté des pratiques. Mais vraiment, c'est un volet spécifique de co-création des outils ACA au sortir de cette année pour entrer dans notre renouveau. Et ça, c'est un gros défi pour nous, c'est comment rendre notre communauté ACA vivante. Ce à quoi nous pensons aujourd'hui, c'est renforcer les praticiens qui n'ont pas la possibilité de recevoir des formations par cours en ligne, qui n'ont pas la possibilité de suivre de bénéficier ou alors d'être partenaire d'un parcours ACA en tant que OSC, d'avoir un espace où ils peuvent au moins venir écouter, être inspirés et ainsi de suite. Et donc, dans ce cadre-là, on va développer un peu quelque chose comme une conversation café à un rythme régulier pour intéresser des personnes. Et ce n'est pas fermé au bassin du Congo, c'est vraiment très ouvert. J'ai pensé au mot bûche parce qu'en fait, j'ai pensé au feu de bois, quelque chose dont la flamme ne doit pas s'éteindre. Ce n'est pas encore le nom de ça, mais l'idée qui est derrière, c'est vraiment avoir une communauté où le feu ne s'éteint pas. Il suffira simplement que chacun vienne avec son don de soi de partage, de sa brindille de feu, et pousser sa braise pour que se pousser soi-même en tant que bûche pour que la braise prenne toujours. Donc, notre porte est ouverte. Je vois que vous voyez que l'animation vous dit que notre porte est ouverte. Donc, n'hésitez pas vraiment à frapper à notre porte. Que vous soyez un bailleur de fonds, ou que vous soyez un praticien, ou que vous soyez une organisation de la société civile, que vous soyez simplement un curieux, notre porte est ouverte. Elle est vraiment ouverte. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour nous tous aujourd'hui. Et je voudrais aussi prendre ce moment pour que, de manière solennelle, nous puissions célébrer le nom de baptême que nous avons donné à notre déclinaison de l'ABCD, c'est-à-dire l'ACA. Donc, vous pouvez, pendant que je vous dis merci, ouvrir vos micros et applaudir avec moi, comme Maria dit tout à l'heure, kudos à ACA, ACA by Well Grounded. Et merci encore. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Moi j'en ai terminé et c'était fantastique. That was fantastic. Yeah, thank you very much. I'd be really keen. Thank you. Pour terminer la session. That was great. I'd be really keen to connect with your with the online project as well. So I work with a lot of people who've migrated to the UK, who from all over Africa, but a lot of people from Congo. So it'd be really interesting to see how the work translates in different spaces. But thank you so much. I'll definitely send you an email afterwards. Good. Please come in. The doors are open. Yeah, the doors are open. Audrey? Pour la fin? Ton micro est fermé. Sorry. À la suite de Rory, je propose que chacun dise un mot, qu'on puisse se séparer dans la joie et la célébration comme on a commencé. Déjà, moi, j'ai envie de dire merci à tout le monde. Oui, j'ai déjà partagé le Padlet. Je vais juste repartager le lien où vous pouvez laisser un message. I'm going to share the link of the Padlet so that we can
leave some message to talk about the session, how we appreciate the session. So we have a last comment. No. Sorry, so if you want to say something, open your microphone and say something. Je vais partager le lien une fois de plus, mais ouvrez les micros, lâchez-vous. C'est ça. Moi, j'ai trop parlé. Il faudrait les deux liens de Padlet. Dani, si tu parles, on ne t'entend pas. Je ne sais pas s'il a ton micro, mais si tu parles, on ne t'entend pas. Et Serge, je vois que tu as ouvert et tu as fermé ton micro. Tu peux ouvrir en attendant que Dani règle son challenge de micro. Bien sûr. Je suis content d'avoir été là. Je suis venu un peu en retard. Je m'en excuse. Et je suis content d'avoir participé à cette session. Toujours content d'apprendre à vos côtés, Marcienne et Audrey. Je crois que ce n'est pas la première séance que nous avons eue ensemble et à chaque fois, on ressort de ces sessions avec l'envie de retourner sur les terrains et de faire ce qu'on peut, appuyer, supporter, soutenir autant qu'on le peut. Donc, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Serge. Et ta fidélité nous honore. Merci vraiment. Dani, pas encore. Dani, pas encore. Arnaud, je sais que tu viens d'arriver. Même pour dire bonjour, ouvre ton micro, s'il te plaît. Dani, tu peux aussi écrire dans le chat box. Arnaud, je crois que ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas.